Josiane Pichet. Sacrée Josiane. De danse de forêt. Ah. J'ai mélangé mes trois passions dans un seul art. Elle danse bien, dis donc. La forêt. Elle danse comme un gland de forêt. Je suis actuellement en étant thérapeutique à la suite d'un burn-out. Mais ah, grâce putain, à la pauvre. Déconstruction spirituelle, ok. Je vais beaucoup mieux. Elle est je complètement tarée. Mieux maintenant, grâce à la danse de forêt. Je crois que c'est grâce à la danse de forêt que j'ai réussi à franchir. On dirait moi qui danse en boîte de nuit quand je suis bourré et que je vais faire style que je sais danser. Alors que pas du tout. Mais ce qui est bien, c'est quand tu danses comme ça dans la forêt, il y a personne qui te juge. Les gens autour de toi, ils en ont rien à faire. C'est des arbres. Ils sont à peine vivants. On dirait des votants d'Éric Zemmour. Alors, moi, je vous dis, n'hésitez pas à partir en forêt. Mais pourquoi Nadine ne le fait pas tout nu? Il y a personne pour te regarder. Fais-toi plaisir. À Walp, frotte-toi la cramouille sur une plante, sur une fougère, les dessous de bras. Et on veut ça, bien sûr. Salut Ninja, comment ça va? C'est Tite qui est parti des trois passages. Mais moi, je rigole, mais je trouve ça extraordinaire. Moi, les gens qui sont à donf dans leur truc, qui n'ont pas peur de le montrer sur Internet. Bravo, Josiane. T'as pas peur des sobriquets, t'as pas peur que je fasse une vidéo YouTube de ça et que je me moque de toi. Bravo à toi, Josiane. Josiane, on t'aime, Josiane. Voilà, allez, la suite. Étape du pardon avec Bruno, mon collègue toxique, cisgenre pervers narcissique. Waouh, beaucoup de descriptions sur Bruno qu'on voit même pas, moi je suis même déçu, hein. Cisgenre pervers narcissique, j'ai envie de dire, c'est un homme comme les autres, tout simplement. Ah. Mais oui, c'est bon, se frotter les dessous de bras et la foufoune avec de la fougère, je vous le conseille. Cette histoire de vol d'agrafeuse est derrière nous. C'est vrai que ma plainte pour harcèlement... Je crois que c'est une blague. ...était un tantinet exagéré, mais c'était quand je même... Je pense que c'est une blague, c'est pas possible. Aujourd'hui, grâce à la c'est une blague. De la forêt, ah, merde. Je me suis pardonné et j'ai pardonné à Bruno. Malheureusement, Bruno s'est malencontreusement suicidé. Non, mais c'est drôle. Alors, c'est drôle, c'est extraordinaire. En fait, alors deux choses. Si c'est vrai, c'est dingue, c'est fou. Si c'est faux et que c'est une blague, c'est hilarant. C'est hilarant. Alors, Josiane Pichet, moi je veux savoir qui c'est Josiane Pichet. Bonjour, c'est Josiane Pichet. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment revitaliser vos plantes et vos arbres grâce à la danse de forêt. Là, je revitalise mon châtaignier à l'aide de mouvements inspirés par le cycle lunaire des grandes marées de l'Est parisien. Approchez-vous de votre arbre et saluez-le. Bonjour, moi c'est Josiane. Enchantée de faire votre connaissance. Si votre arbre ne vous répond pas dans un premier temps, c'est normal, c'est un arbre. Mais... Trouvez-lui c'est pas possible que ce soit vrai. Peu importe. Je sais pas. Un nom inventé ou celui d'un proche disparu. Moi, j'ai appelé mon châtaignier Bruno. Je fais ce que je veux, arrêter de me harceler. Sucer un bout de sève et échangez-le avec une goutte de sève. Ouais, non, mais c'est faux. Ça y est, vous vous êtes lié à votre châtaignier devant les yeux de Dame Nature. Ah, je suis déçu. Je pensais que c'était vrai. Oh là là, je suis déçu. Approchez-vous de votre arbre et saluez-le. Bonjour, moi c'est Josiane, enchantée de faire votre connaissance. Je suis déçu. Si votre arbre ne vous répond pas dans le premier temps, c'est normal, c'est un arbre. Putain. Trouvez-lui un prénom. Ça aurait été génial que ça soit quelqu'un de vrai, mais en fait c'est un comédien, bravo elle. Putain, elle est trop forte Josiane, moi j'adore. Josiane Pichet, ça c'est un putain de banger. Oh là là, elle m'a eu. Je me suis tellement fait avoir comme une merde. Mais tu sais, les gens, ils sont tellement fous à notre époque, je me suis dit, mais c'est vrai, c'est pas possible. Oh là là, génial.